Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, en ce lundi de la troisième semaine de Pâques, en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par la guérison obtenue dans le mystère pascal, tu nous as conformés à la nature de ton Fils. Fais qu'en nous dépouillant de l'homme ancien et de ses façons d'agir, nous vivions de la vie du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et aussi des gens originaires de Cilicie et d'Asie préconsulaire. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Ils allèrent se saisir d'Étienne et la menèrent devant le grand conseil. Ils présentèrent de faux témoins qui disaient:
Cet individu ne cesse pas de parler contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions dans le psaume 118 et ensemble nous répéterons. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la foi de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Ensemble. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Détourne-moi de la foi du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Mettons-nous debout pour acclamer l'Évangile. Royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Toute puissance s'attache à ta droite. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques. Elle se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis,
Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Discours sur le pain de vie, qui est la vraie nourriture, nous dit Jésus. Dans l'évangile, ça, nous avons quelque chose pour nous méditer sur deux aspects. C'est qui ça qui motive un chrétien pour aller chercher Jésus? Et deuxièmement, la différence qu'il y a entre le pain physique, le pain matériel et le pain spirituel. Saint-Jean rapporte nous que Jésus se fait deux gros miracles. Marcher sur les eaux et deuxièmement la multiplication des pains. Et comme ça, foule la vie charmée et tout le monde tombé à chercher Jésus. Marcher sur les eaux, ça fait comprendre que Jésus pas n'importe qui. S'il arrivait à marcher sous de l'eau, donc c'est puissance, bon Dieu, qui manifestait sur le mal, sur les ténèbres. Puisque je fais te comprendre que l'en mer, c'est là toute vieille force sautée. Et le fait que Jésus a marché sous l'en mer, donc ça va me dire également que Jésus a marché sous toute force qui est mal. La multiplication des pains, ça sont l'autre histoire. Jésus multiplier pain, 5 pains de poisson, pour le bail plus que 5000 mouns manger. Le pain quotidien, c'est une préoccupation que l'homme gagne. Qui ça m'a mangé? Qui ça m'a petit moi manger? Donc tout le monde a une préoccupation, ça, le pain quotidien. Mais voilà que Jésus vini, il vini dans un pays. Côté que c'est pas un gros pays. Sur le plan historique, ce n'est pas une grande puissance. Donc, quand il y a des gens qui n'ont pas de pain quotidien pour manger, ou bien il faut que tu travailles en pile de dur labeur pour capable gagner un pain quotidien. Mais Jésus va le bailler au pain pour manger. Et au manger, nous dit bien, à leur faim, à satiété. Ça veut dire au manger, puis il y a restriété. Donc, il dit finalement, eh bien, problème, peut ça résoudre. Donc, on est là, nous sommes capables de prendre Jésus, nous mettons Jésus roi. Nous mettez le président de l'Église de Jodian, nous mettez le président, nous connaissons la peine en ventre-là résoudre. Le problème, ça que ventre-là résoudre. Jésus, il part avec les disciples, il part avec foule-là. Les foules-là pas remarqué qu'il n'y a pas Jésus, ça a ouvert. Ils sont tombés chercher Jésus. Et c'est normal. Donc, on homme précieux comme ça, pas qu'à pégari, pas qu'à perdu. Faut que vous faut que vous joigniez. Avec Jésus-là, il rassure chaque matin ou bien chaque jour. Il y a bien pain pour manger, donc il n'y a pas qu'à laguer Jésus. Il a cherché Jésus. Hop, il va louer Jésus. Et c'est là que Jésus va faire différence avec eux entre le pain matériel et le pain spirituel. Il va dire, on a cherché Jésus catégorique. Ça pour Jésus dit, on l'a dit. Il dit, on a cherché pas parce que je fais signe, je fais merveille, je fais miracle, que nous, ouais, non. On a cherché, c'est parce que je bats nous pain. Hein? Tout le monde mangeait, je cherchais. Jésus te connaît bien attention. Yo. Mais il dit, yo, attention, pain ça m'a nous, n'a mouri. C'est le pain matériel. Mais ce n'est pas lui-même pour nous chercher. Ça pour nous chercher,
c'est le pain spirituel. Le pain spirituel, en pile gros penseur, en pile gros théologien résumé en deux. Il y a monde qui dit que les Jésus t'a parlé de pain spirituel, c'est la foi, c'est sa parole. Il y a d'autres qui disent que les Jésus t'a parlé de pain spirituel, ça, c'est l'Eucharistie. Mais que ce soit c'est la parole ou mais l'Eucharistie, nous connaissons Dieu se donne dans sa parole et Dieu se donne dans l'Eucharistie. Lorsque nous mangeons le corps du Christ, c'est le propre corps du Christ même que nous mangeons. Donc c'est le Christ que nous mangeons. Il se donne dans l'Eucharistie. Il se donne également dans la parole. C'est le pain de la parole. Donc, des deux, Dieu se donne. Maintenant, Jésus-Christ dit, ce n'est pas pain matériel là pour nous chercher. Il faut nous chercher pain spirituel. Là. Parce que pain matériel là, passé. Là, nous faisons manger pain matériel là, oui, mais nous mangeons pain spirituel là, vivre jusque dans la vie éternelle. Donc, il faut chercher la vraie nourriture. La vraie nourriture, c'est mon corps. La vraie nourriture, c'est la parole. Donc, il y a un peu de monde qui vient de la frame somme. En plus, il faut venir chercher un bien matériel. Il vient chercher un dossier pour Jésus qui vient débloquer pour eux. Il vient chercher un cas matériel, un dossier matériel. Mais Jésus a dit non, faites attention. Venez là d'abord pour nous coûter, pour nous venir chercher la vraie nourriture, qui c'est le pain de sa parole et le pain de l'Eucharistie. C'est ça pour nous venir chercher là. Nous avons un problème, oui. Pas que le monde n'a pas un problème. Mais nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc ça pour nous chercher en vain, c'est écouter parole mon Dieu, c'est communier dans l'Eucharistie, à travers l'Eucharistie. C'est faire un seul avec mon Dieu. C'est après ça, l'autre bagaille a fini. Mais Jésus va dire bien, cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la vraie nourriture, et l'autre a fini après. Jésus va faire comprendre que les nous chercher vraie nourriture là, ça n'est pas perdu. Mais les nous chercher pain matériel là, n'a pas mangé, n'a pas grand goût encore. Mais les gens qui mangent dans vrai pain, il n'a pas grand goût. Moun ki boue nan vrai boisson, qui c'est le sang du Christ, li pap jam soif. C'est ça que fait frère Msem, pendant l'Eucharistie, ça, nous gagnons pour nous demander, bon Dieu, le goût de sa recherche. Alors, c'est le point des Indapalia. Il faut apprendre à chercher Dieu, à se mettre à la recherche de Dieu, à rechercher Dieu. Le chercher pour le trouver. Le trouver pour le chercher encore. Ça, c'est belle parole, cet Augustin de Gardino. Seigneur, donne-moi l'envie, le désir de te chercher. Et après t'avoir trouvé, donne-moi le désir de te rechercher encore pour te trouver. Ça veut dire son éternel recherche, il faut toujours à chercher, mon Dieu. Il faut toujours soif, mon Dieu. Il faut toujours grand goût, mon Dieu. Il faut toujours besoin, mon Dieu. Bon chanteur qui dit, moi besoin, mon Jésus, plus qu'avant, moi senti dans moins soif. Il faut que nous capte toujours gagner soif, Jésus. Il faut que nous capte toujours grand goût, mon Dieu. On demande, mon Dieu, la grâce pour l'un fin, je ne pour ne pas virer de Bali, pour ne pas virer de Kitel, mais pour nous capte toujours rechercher encore. On demande, l'étoile la grâce pour que nous venions l'église d'abord. Nous capte connaître le pain matériel là, mais pour nous venir chercher d'abord le pain spirituel. Parce que le pain spirituel, comme nous a dit Jésus, c'est la vraie nourriture, c'est le vrai pain. Il y a un pain qui va bien finir et il y a un pain qui va nourrir nous. Pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice dans ta bonté. Purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Anne-Marie, Yves Richemont, Antoine-Siez Rondeau, Caroline Deris, membre du groupe chrétien en prière. Caroline Charles, Carole Joseph,
membre du groupe Chrétien en prière, Élisière Rosemarie, membre de la chorale Sainte Famille, Jadler Nikes, Jean-Edouinson Altenor, Joanne Clermont, Marossia Saint-Jean, Ricardo Aspiller, Marquissa Saint-Paul, Taïna Dominique, et tous tes enfants, Seigneur, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
La misère des
Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multipliant dans les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. N'a pas dit bonne fête à Xamini, au cap célébrer l'anniversaire de naissance. Yo. Si vous là, il n'y a pas avancé pour que nous cap béni, la prière pour vous. Anne-Marie Yves Richemont, Antoniens Rondeau, Caroline Deris, Caroline Charles, Caroline Joseph, Élisée Rosemary, Jadler Nikes, Jared Swan, Kathleen Johan, Marocia Saint-Jean, Ricardo Aspiller, Marquissa Saint-Paul, Taïna Dominique. Enchanté pour nous dire bonne fête. Disposez-nous pour que nous capables de prendre bénédiction pour nous finir avec célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pas de passer sous nos rayons, mais non.